Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de Near Death. Alors, on s'était laissé donc au garage. On devait se rendre au bâtiment des eaux pour trouver un réservoir d'eau. Donc on avait dit qu'on ferait celui-ci car c'était le plus près. Donc on va y aller. Juste, on a bien sauvegardé, on est bon. Je mets le casque et on s'en va. Oula, il y a du vent là-dedans. Bouh. Allez, on est parti. Alors. Déjà, il fait combien? Nanana. Ok, donc planter des piquets. Ça, on est au courant. Il fait moins 90. Alors, on doit se diriger. Alors, la porte, elle est. On est orienté plein sud. Ça veut dire que nous, on va sortir par là. Donc, on doit sortir et tourner là. Ok, on trouvera une cabane un peu plus bas. Ok. Donc, les piquets. Ok. Allez. 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 Ok. On a plein de matos ici. Ok, alors je sais pas si c'est chauffé. Au besoin, je voulais voir. Est-ce qu'on peut craft Il nous manque une toile, d'accord. Ok. Ok, on va suivre la corde. Normalement, elle va nous mener à destination. Eh merde. Je suppose que c'est par là. Hein. Ok, allez, on va ouvrir. Allez. Ok. On referme le bordel. Ok. Chauffage. Ok, ça va déjà mieux. Des cordes, du scotch. Ok, c'est tout. Alors, nous, on est donc dans la petite cabane. Automatiquement, en ressortant, on doit partir. Attends, que je prenne une. La porte, elle est là. Donc, nous, on est là. Ok, c'est plus vers le haut, par là. Ok. On va prendre des piquets. Je pense que c'est par là.
On va faire demi-tour parce que je sais pas si je suis parti au bon endroit. Allez. Non, la blague. Ok, on a crevé ma gueule. Putain. Ah, c'est terrible, vous avez vu ça? C'est incroyable le truc. Ah, je pense qu'on a dévié trop à droite, à mon avis. Allez, petit chargement. Petit long chargement. Ok, hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, non c'est une blague, allez. Ouais, c'est ça, changer la difficulté, puis quoi encore? Est-ce que j'ai mon matos? Ouais, ok, allez. Ok, du coup. Oh, enlève-moi ton truc, toi, là, allez. Merci. Donc... Ok, on était parti un peu trop à droite. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va prendre le chalumeau. Non, non. Si. Non. Ok, donc là, il n'y en a pas besoin. On va aller directement à la prochaine pièce. Allez. Allez, 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 ok. Ok, ça c'est bon. On a plein donc de cordes ici. Ok, là on est bon. Donc on va se diriger au suivant. C'est bon là? Ok. Allez. Allez, go. Cette fois, on va tout droit, là, c'est simple. Par contre, le personnage, il est lent. Je pense que j'ai aperçu le bâtiment. Voilà, c'est ça. Là, c'est la première. Donc... Ok. Allez. Ok. Donc ça, c'est une chose. Allez, ça va déjà mieux. Des cordes, du scotch, comme au début. Il y a un truc là. Ouais, du scotch, ok. Donc maintenant, c'est là où je pense que... D'accord. Je pense que honnêtement, j'ai dû faire. Parce que nous, on est arrivé là et nous, on est rentré par là. Donc en sortant, j'ai dû partir soit trop à droite, je l'ai pas vu, soit trop à gauche et je suis atterri sur ces cailloux. On va dire qu'il faut que j'arrive à m'axer sur une direction. Attendez. La porte, elle est là, donc forcément, on est là. Ouais, c'est par là, hein, c'est ça. Hein. Enfin, c'est plus par là. En fait, il faudrait remonter. Ok. Donc, on se chauffe. On va recharger le bordel. Voilà. On se réchauffe. C'est bon. Allez, go.
C'est bon, je l'ai vu. Merde, ok, attends. Ok. Chalumeau, là. Ok, je sais pas ce qui s'est passé avec les cordes, mais j'ai mis un piquet lumineux au besoin. Non, 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 dans l'autre sens. Là. Ok. Chauffage. That's better. Ok, allez. Il fera déjà moins froid dedans. Hein. Piquet lumineux, ok, hop, hop. Tu sais quoi, pour pas que t'aies froid... Pour pas que t'aies froid, attends. Hop, on va vite fait te crafter. Doublure pour pantalon de neige, ok. Ralentit la perte de chaleur corporelle. Voilà, comme ça elle sera bien. Ok. Ok, donc là ça mène. Non, là c'est pas. D'accord. Écoutez, on a deux choix. Ok, on va fouiller vite fait. C'est quoi ce bug? Ah. Ouais, ouais, t'inquiète pas, je suis au courant. D'accord, cette porte elle mène là. Oh, ok. Ok. Donc la porte de l'autre côté menait ici, donc c'est bon. Pas besoin de l'ouvrir pour rien. Hein. Oh, ok. Y'a quoi là-dedans? Vide. Ok, de la toile. Batterie. Assemble de batterie, ampoule, ok. C'est bien. Donc. C'est sûr que moins 90 degrés, ça doit pas être la joie. Hein. Allez. Ok, y a rien par là. Ok, pour l'instant, il n'y a rien. Manuel de sécurité pour chalumeau. Ok, c'est cool. On va ouvrir ça. Allez.
Attends, excuse là, mais attends, j'ai raté un truc là. Ok, je suis parti dans l'autre sens. Ok, je m'en suis pas rendu compte. Ok. Ok, on a failli crever. Bah, je peux réparer? Attends. Est-ce que je peux réparer? Je veux dire, est-ce que... Bah, il n'y a pas de jus normalement. Mais écoutez, on va essayer. Vas-y. Fais-moi un kit. Je sais pas si ça va fonctionner. Vas-y, vite fait là. Vas-y, on va tester. Je garantis rien. Hein. Mais dans le doute, on va tester. Voilà, générateur éteint, c'est bien ce que je pensais. Ok, c'est pas grave. Storage and pumping. Ok. Ah ouais, une seconde. Ok. Alors juste, à quoi ça servait l'amélioration qu'on a débloquée? Augmente la portée et la chaleur. Contourner la sécurité du chalet. Ok. Allez, vas-y, va. Ok, donc on a augmenté le chalumeau, la tenue pour le froid. La parka pour le froid, le pantalon c'est fait. On va augmenter la lampe de poche. Comme ça, on va être tranquille. Hein? Allez, hop, on active. Ok. Ok, là-bas c'est enneigé, laisse tomber, c'est mort. Ah! Ok, attends une seconde. Ah ouais, c'est efficace. Ok, il y a du stock là, peut-être. Ok. Ok, si ça fait un raccourci, on va tester. Ok, c'est sûr. Allez. On va récupérer enfin notre réservoir là. On va se mettre un coup de chaleur juste avant. Allez. Non. Chauffage. Il est vide. Ok. Là. C'est good? Ok, that's better. Allez. Je pense pas qu'on revienne ici, hein, je vous le dis. Hop là. Petit réservoir des familles. Allez, on se casse. Allez. Maintenant, il va falloir ramener ce réservoir. Pardon, merci. Jusqu'au garage. Allez, on va essayer tranquillement. Ok, j'ai compris. Ok, c'est cool. Donc.
Maintenant, on va faire deux arrêts. Donc nous, on est là, en pointe. On se casse ici. D'ici, on se casse au garage. Allez, déjà, on va se chauffer. Alors, chauffage, merci. C'est pas grand-chose, hein. Allez, surtout, on se perd pas. Hein. Ok, il y a un piqué là. Là, là. Voilà, là. Non, non, ne pars pas. Merde, ce connard, il commence à partir. Eh oh, sans déconner. Tu restes avec nous, on en a besoin. Allez. C'est hard, hein. C'est bon, ça va mieux? Allez. Je sais pas combien il fait, mais on dirait qu'il fait encore plus froid. Allez. Courage. Non, pose-le. Je préfère faire un arrêt entre les deux, on sait jamais, hein. Allez. Là, il n'y a pas de... y a pas de corne. Allez, courage. Allez. Allez, ferme-moi ça. Ok. Ah non, il fait toujours autant. D'accord. Et ça va là. Ok. Déjà, on a donc le réservoir. Il m'avait semblé que pour celui-ci, trouver une pompe à carburant pour réparer. Et la pompe à carburant. Je sais pas où on peut la trouver. Bon, tant pis. Donc, prochaine étape. On va se rendre au tour de communication. Trouver une antenne longue portée en haut de la tour de, surmontant les coms. Ok, donc, pour rappel, on est là. La tour de communication se trouve là. Voilà. Donc on va faire ça et on fera un arrêt au fioul. Ah, peut-être que je peux trouver la pompe à carburant au fioul. Écoutez, on va faire ça. On va se diriger au fioul et on verra après. Donc, je voudrais voir ce qu'il faut pour crafter des piquets. On va en faire une dizaine, si on peut, je sais pas. On peut en faire 7. On va en faire 7. Au moins, si jamais on a besoin de cordes. Voilà, à défaut. On pourra les planter dans le sol et on marchera un peu plus vite. Enfin, au retour, du moins. On a des piquets de lampadaires pour nous éclairer la voie si besoin. Allez, va. On va garder un ruban adhésif au cas où. Allez, ce sera parfait. Donc. La sortie par ici. Ok, donc là c'est extrêmement simple. Il suffit de partir tout droit par là. Par là, et on est bon. Je laisse ouvert. Ouais. Allez.
Il y a déjà des piquets. Ok, donc on va se chauffer. Donc à partir de là, ok, on peut pas rater le bâtiment, hein, il est juste en face. Donc alors attendez, on va faire ça. Allez. Non, pas ça. C'est chauffé? Est-ce qu'on est chauffé là en fait? Je pense, hein? Ouais, je pense. Ok. D'accord, donc là on est au power. Ok. Là. Ok, d'accord. D'accord. Là, par contre, on n'est pas abrité. Donc, nous, on va aller juste en face, là-bas. Voilà, là où il y a la lumière. Et c'est congelé. Alors, est-ce qu'on a du... Il reste du carburant, très bien. Là, par contre, c'est vide, hein. Est-ce qu'il nous reste du kérosène? Ouais, on a du kérosène, on a des batteries. Ça marche. Allez. 3, 2, 1. Non, 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 non. Mince. Là. Ok, ici on est donc au sec. Enfin, à l'abri du moins. Ensemble de batteries et pinces. Câble, tige d'échantillonnage. Ok. Ouais, ça on peut le faire, je pense. Non, là. Ah, mince. Non, du coup c'est mort, ok. Ok, là c'est bon, c'est parfait. Hop. Y a quoi là? Ok. Ok, y a quoi au fond? Ok, c'est vide. Donc on a une pompe à carburant, c'est bien ça? Ouais. Ok. On va réparer le truc électrique, on va se réchauffer. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, on peut. Allez. Allez, répare-moi ça vite fait. Ok. Donc, la pompe à carburant. C'est où que je dois amener cette bêtise? Alors. Ok, donc on va revenir au... au bâtiment électrique. Là, c'est fermé. Allez. Non.
Ok. On est donc au chaud. Maintenant, on va réparer cette affaire. Ce qu'on va faire, attendez. Allez. Alors, c'est pas tout. Il faut monter. Comment on fait déjà? Par là? Ouais. Ok. Il faut qu'on aille au fond. Ok. Donc là on est isolé, parfait. Et là on active donc quoi? Le radar, les siens, c'est le water. Ok. Donc voyons voir les siens, le radar. Et bon bah le water on s'en fout maintenant puisqu'on en devient. Ok. Donc on va faire un point pardon sur l'objectif. Alors. Donc il nous reste la l'antenne longue portée. Et l'émetteur longue portée. Donc on va se diriger sur l'antenne qui est ici. Allez. Là non. On va redescendre. Ok. Donc on va se diriger. Aux communications. Putain, ça me donne envie de vomir. La caméra là, c'est horrible. Est-ce que je peux monter par où? Oui, là. Ok, ça fait du bien. Donc, nous on a fait tout le tour en fait. Nous on a tout fait. On a été là, 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 là, la petite cabane aussi, là, là aussi. On a été là, ici. Du coup, il nous reste juste la partie ici, ce bâtiment et les sciences. Et on aura terminé. Bon, alors. Donc nous, on va aller en face là-bas. Allez, va. Oh, ce vent. Allez. Ok, ici on est à l'abri, c'est déjà ça, ok. On va se réchauffer vite fait avant de bouger, allez. Pain, scotch, toile, ok. On va réparer ça, on va revenir en arrière, se réchauffer. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que c'est utile. Allez.
Ok. On est réchauffé là ou pas? Ouais, je pense que oui, hein. Ok, on va donc monter et on va voir ce qui se passe là-haut. Allez, c'est parti. Hop là. Ouais, on va s'en faire un. On va réparer vite fait. De toute manière, on n'a plus rien à craft, donc c'est bon. Ok. Ok. Et puis de toute façon, il y a un transcripteur, donc c'est pas trop mal. Alors, batterie, ruban adhésif. Ah non, ça n'en est pas un. Merde. J'ai rien dit. Ah ah! On a trouvé l'appareil. Ampoule, pince, ok. Fixation plastique, ok. Des tiges pour te mettre dans les feux. Non, rien. Roof access. Qu'est-ce que tu veux, j'aille branler sur le toit sans déconner. On a déjà du mal à s'en sortir au sol, alors sur le toit c'est même pas la peine. Allez, va. Bon. Maintenant qu'on a donc le transmetteur qui est ici, on va devoir se diriger donc de là jusqu'à là. Autrement dit, on va bien s'amuser. Et je crois qu'on va s'arrêter là après cela, puisque la prochaine fois. Je vous dirai pour la prochaine fois. On verra ça après. Pour l'instant, on va faire le retour. Ok. Ok, c'est pas un objet que j'ai sur le dos. C'est bien. Enfin, je veux dire, c'est un objet qu'il met dans son inventaire. C'est pas comme le réservoir, quoi. Donc, c'est pas plus mal. Allez, on se casse. Là. On n'a plus de cordes. Allez, va. Allez. On est à sec en cordes, c'est dommage. Allez, un petit effort. Allez. Ok. On est au chaud. Si ça continue, on va réparer la base d'un tout seul. Ok, on est au fuel. On va se diriger directement derrière le bâtiment donc électrique, puisqu'on a mis des cordes. On va en profiter. Hein. Allez, go. Là. Là, il y a une corde. Voilà. Alors là, on y va direct. Ok. Allez. Avant-dernier arrêt. Et on s'... Enfin, dernier arrêt plutôt. Allez, on récupère ça. Et on se casse. Allez, 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 allez. Ok. Moins 90. Hein. Bon. De retour au garage, on va installer le transmetteur longue distance. Voilà, au moins c'est fait. Ok. Bien.
On commence à être pas mal. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal comme véhicule. Là, tu mets l'essence. Hop, directement relié au moteur. T'as des chenilles de psychopathe pour passer sur la neige. T'es au chaud dans ta cabine. T'as de quoi t'allonger peut-être derrière, je pense. Au pire, tu t'allonges sur la cabine. Ouais, t'es pas mal du tout même. Bon. On va repasser à côté. Alors, voyons voir ça. Non, il n'y a rien de nouveau. Hein. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant... oui, donc ce qu'on va faire maintenant, on va se poser par ici. Alors, pour cet épisode, on va s'arrêter ici. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a comme... Alors, niveau des crafts. Alors, les quatre premiers, ce sont des crafts de matériel qu'on peut crafter, donc, tant qu'on a des ressources. Les autres, ce sont des améliorations utilisables qu'une fois, donc doublure de parka, charge supérieure pour lampe torche, doublure pour pantalon et contourner la sécurité du chalumeau. Donc, ces quatre-là, on les a déjà fait, vous voyez, déjà créés, voilà. Donc, on est tranquille. Le reste, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, on a des batteries pour la lampe, des ampoules, toile, pinces, ruban, kérosène pour se réchauffer, c'est pas mal. On a d'autres trucs, décors, tout ça. Après tout ça, j'ai envie de dire, on n'aura plus rien à crafter. Donc, concrètement, on est bon, quoi. Alors, prochaine fois, trouver une antenne longue portée en haut de la tour, surmontant les coms. Ah ma gueule. Ah ma gueule. Merde, ben, j'ai fait un fail. Ah ben c'est cool. En gros, bah, si vous avez toujours pas compris, bah, je pense que vous avez compris, hein, parce que voilà. En fait, il fallait que je récupère le matériel de communication. Or, on était là, on s'est barré. C'est cool, hein? Du coup, en fait, si, il fallait monter sur le toit par la porte que j'ai ouverte et que j'ai dit, mais pourquoi on irait sur le toit? Effectivement. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on se fera la prochaine fois, donc, l'antenne sur le toit. Bah écoutez, ce que je ferai moi, c'est que je ferai le. Je vous ferai le retour donc jusqu'aux communications de mon côté. On commencera l'épisode à partir de là. Et du coup, bah, comme ça, vous n'aurez pas le trajet à vous taper, même si c'est assez rapide, dans l'ensemble. Voilà. Donc pour l'instant, on récupérera le matériel de communication. Et pour la suite, eh bien, il nous restera le radar des sciences. Le radar des sciences. Le bâtiment des sciences et le bâtiment radar plus radar hop. Oh, radar hop, je pense que c'est la tour radar ou un truc comme ça. Et donc, je pense que concrètement, soit le prochain épisode. Non, peut-être pas le prochain, mais dans deux épisodes, on a terminé ce petit let's play. Donc vous voyez, c'est un jeu assez rapide dans l'ensemble. Et encore, parce que là, j'ai un peu merdé par rapport à par rapport aux communications. Donc bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est un petit jeu sympa, c'est rapide. Et il est bien, je veux dire, il est pas moche, regardez. Je veux dire, voilà, c'est correct quand même. Hein. Et après, vous allez voir, sans spoiler, hein, à la fin, avant de partir, disons que on verra, on aura de la hauteur, on pourra voir. Voilà, sans spoiler, hein, voilà, on aura un petit peu de hauteur et on pourra voir donc un peu mieux le paysage. Voilà. Et vous verrez que franchement, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner, commenter la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. C'est tout pour moi. Bye bye!